Amission TV, le miroir du monde. Mais, curieusement, Kassabou est mort par l'intransigeance de Mouloumba Tshisekedi. Parce que Kassabou était empoisonné. Mon bouton était en Allemagne. Madame Kassabou téléphone à mon bouton. Mon mari est empoisonné. Laissez-le parler, se faire soigner ensuite. Demandez l'autorisation à Tshisekedi parce que moi je suis en Allemagne. Il arrive, je dis que mon bal n'est pas occupé ma tête. Sinon, on va renverser le régime d'Abisso. Les Kassabou qui étaient empoisonnés, ils sont là pour moi. Afin qu'on ne me fasse pas une autre guerre, ils sont là. Parce que je vous assure, président, si on me fait une autre guerre, je vais faire la guerre, c'est la carte géographique. Moi, j'ai les moyens. Je vais invoquer des exercices. Non, il ne faut pas ça. Je me suis arrêté à mon neveu, Étienne Tshisekedi. Parce que les connaisseurs de l'histoire de fixe savent que les Balibas sont les neveux de Bakoum. C'est pourquoi d'ailleurs que nous avons révoqué Lumumba. J'ai dit nous parce que c'est nous les Bakoum, c'est Kassabou. Pourquoi on a révoqué Lumumba? Lumumba a envoyé ses milices armées des armes venues de l'Union soviétique. Tuer 283 Balibas à Bakouanga. Voilà. Mais un député qui avait des humilités parlementaires, qu'on a attaqué, tous mes véhicules détruits. Maintenant je me promène à pied. Regarde, un grand député comme moi qui s'habille comme ça. Mais on m'a appauvri et j'ai appris qu'on préparait un autre coup. J'ai dit à mes commandants, vous laissez. Un agent de Kabila qui a pris mon ex-femme comme concubine. Voici les preuves. Comme il y a ici qui prennent les cours, les Makessa qui sont ici sont là pour me garder parce que je suis un ancien député à qui on a fait la guerre. On a détruit mes voitures, j'avais quatre. On a tout détruit. On a pillé ma maison. Maintenant mes adeptes disent plus question de ça. C'est pourquoi ils m'ont tout simplement. Moi, j'ai les moyens inconnus des hommes, je prends les indicats, je travaille mystiquement et ça devient un explosif. Je prends des cailloux, je travaille mystiquement et ça devient un explosif qui tue. Je prends les maïs que vous mangez, foufou. Je travaille mystiquement, ça tue. Donc, mes commandos n'ont pas d'armes, vos armes à vous. Mais ils sont plus forts que vous. Il a découvert que j'ai été chef de section chimie à l'office de l'eau. Que j'ai été chef de section bactériologie à Mamayem. J'ai été député deux fois. Il a découvert ça. Et il a fini par se rendre compte qu'il était à la faculté de sciences à l'université de Louvain. Donc c'est un homme de sciences. Ce n'est pas un illettré. On lui a beaucoup dit illettré, moi l'illettré. Un illettré qui vous parle français. Correctement. Un illettré. Tshisekedi est mon neveu. Mais comment il traite son nom? Si moi je le traite mal, les ancêtres Bakoum et les ancêtres Balouba qui connaissent les liens de sang qu'il y a entre les Balouba, il faut me condamner. Yes. Quand mon neveu raconte que les Banamouliens qui sont de Bakoum, des Congolais, c'est faux. Ça je ne suis pas d'accord. Non, ça on va parler. Les Banamouliens ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Bon, mon neveu, ça va pour Maria et Ma Mission TV, le miroir du monde.
D'accord. Après une opération, dans la vie en général, on ne peut jamais aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour apprendre à nous aimer, nous devons nous connaître. Oui, les colonels. Parce que le général. Pour nous connaître, nous devons nous raconter de temps en temps, causer ensemble de cette époque de la vie. Alors certaines zones dont nous devons disparaître. Exact. Peut-être vous avez des zones. Moi, je ne connaissais pas M. Olimangoué. Lui aussi ne me connaissait pas. Non. Il a entendu que les bobards ont raconté sur moi. Et quand il m'a rencontré, il a découvert un personnage tout à fait autre. Moi aussi, j'ai découvert un personnage autre. Et nous sommes devenus des amis. Exact. Maintenant, il me défend partout où il passe parce que les gens racontent des conneries sur moi qui disent que ce n'est pas ça ce que vous dites. Parce que, curieusement, mon colonel, votre régime est spécialiste fondé. Des choses pour condamner un innocent. Moi, j'étais député. J'avais des unités par nature. Donc on devait me faire la guerre. On m'a fait la guerre. Un député. On m'a fait la guerre. On a tout pillé et on a arrêté mes adeptes. Même son argent. On les a amenés en prison militaire à Nolo. La liste est ici. Vous donnez ça au président. Merci. Il y a 36 prisonniers à Nolo. Quand Franck Diongo était libéré, ce prisonnier aussi était libéré. Jean-Pierre Memba libéré. Son armée aussi qui était Macaré était libéré. Moi, je suis libéré. Mes commandos, on a arrêté. Reste à la prison militaire de Makala. À la prison militaire de Nolo et de Makala. J'ai formé ici une école de formation. J'avais 2016. Les gens s'assoient et le samedi, je donne des cours. Vous avez un exemple de cours que je donne ici. À l'époque de nos ancêtres, l'archange Mwanda Kongo a donné une loi sacrée au Bakongo qui s'appelle Kodi ya Mouyo. Ici, vous avez un exemple de Kodi ya Mouyo. Que vous pouvez lire et comprendre article par ce que cet archange a dicté au Bakongo. Maintenant, j'ai fait un dernier discours où je me suis adressé à M. Chadari. Je me suis adressé à mon neveu Étienne Tshisekedi parce que les connaisseurs de l'histoire d'Afrique savent que les Banoba sont les neveux de Bakongo. C'est pourquoi d'ailleurs que nous avons révoqué Lumumba. J'ai dit nous parce que c'est nous les Bakongo, c'est Kassavu. Pourquoi on a révoqué Lumumba? Lumumba a envoyé ses militaires, ses milices armées des armes venues de l'Union soviétique. Tuer 283 Baluba à Bakouanga. Alors les policiers de Bakongo ont dit à Kassavu non. Les Baluba sont nos neveux. S'ils sont en bonne santé, ils peuvent nous oublier. Mais nous ne pouvons pas tolérer qu'on aille les tuer. Kassavu révoque Lumumba. C'est pourquoi il a révoqué Lumumba. Mais, curieusement, Kassavu est mort par l'intransigeance de Moulouba Tshisekedi. Parce que Kassavu était empoisonné. Mobutu était en Allemagne. Madame Kassavu téléphone à Mobutu, mon mari est empoisonné. Laissez-le pas, se faire soigner en Suisse. Demandez l'autorisation à Tshisekedi parce que moi je suis en Allemagne. Il arrive, je dis Tshisekedi. Mon père n'est pas occupé maté. Sinon, on va renverser le régime Nabiso. Et Kassavu qui était empoisonné est mort. Donc, Kassavu a révoqué le Moumba pour sauvegarder les Balouba. Et c'est de l'intransigeance de Moulouba qui Kassavu est mort. J'ai fait un qui s'adresse à Chadari. Et puis, c'était mon message à Chadari, il est là. Et puis, le message est là-bas. Puis mon message à mon neveu, Félix Tshisekedi. Et puis mon message à M. Kabila. Et puis mon message à la Chine populaire. Et puis mon message à l'Occident. Le discours se trouve là-bas, donné au président de la CENSA. Le message est là-bas. Donc voilà le message que je venais de faire. Donc j'ai à peu près terminé. Ce qui reste maintenant à vous montrer. Vous voyez cette photo?
Celui-ci, c'est mon ex-femme. Celui-ci, c'est mon tésoro. Un agent de Kabila qui a pris mon ex-femme comme concubine. Voici les preuves. Vous donnez au président la sincère. Voilà, j'ai rapidement terminé. Ça, c'est une salle de formation. Chaque samedi, je donne le cours. La zone. C'est la galaxie que l'Occident appelle Voie lactée. Dans cette une galaxie, ce sont des millions d'étoiles. Dans cette galaxie, il y a une étoile qu'on appelle Mbwedede Yakakongo. L'étoile Kakongo. Il y a des extraterrestres plus civilisés que les êtres humains qui habitent là-bas. Les extraterrestres qui habitent là-bas ont le pouvoir de faire exploser une bombe atomique à distance. Un jour, quand j'ai causé avec eux, ils me disaient, l'Occident s'amuse avec le feu. Parce que tous les pays occidentaux ont des bombes atomiques dans leur sous-sol. Si nous faisons exploser ces bombes atomiques, l'animal humain va s'autodétruire par ses propres armes de destruction massive. L'étoile Kakungu, dans la galaxie appelée Nzila Zombo par nos ancêtres, c'est la galaxie qu'on appelle la Voie lactée en Occident. Voilà, président, j'ai presque terminé. Avant la guerre, j'avais 2000 chaises ici. J'ai mis les chaises, mes disciples. Monsieur, vous formez un parti politique où vous mettez les Bakongo, les Bangala, les Bangala, qui n'ont pas la même mentalité. Commandant, vous avez une question de clarification? Il va vous répondre. J'ai tout entendu. Je réponds à toutes vos questions. Voilà. Il n'y a pas de questions tabou. Bon, je suis là pour vous faire parler. Je réponds à m'éteindre. Est-ce que le Makiadi, c'est ça? Makiesa. Makiesa, il y en a où? Amiteni. Amiteni? Ouais. Vous savez, j'ai 286 quoi. Centre de Bouna Kouadrabé qui chasse. Non, pas les centres. Est-ce que, comme il y a ici qui prennent les cours, qu'est-ce que moi je t'avais dit? Les Makiesa qui sont ici sont là pour me garder parce que je suis un ancien député à qui on a fait la guerre. On a détruit toutes mes voitures, j'avais quatre. On a tout détruit. On a pillé ma maison. Maintenant, mes adeptes disent plus question de ça. C'est pourquoi ils m'en trouvent, simplement. Ils sont là pour moi. Afin qu'on ne me fasse pas une autre guerre. Ils sont là. Parce que, je vous assure, président, si on me fait une autre guerre, je vais faire cela et laisser la carte géographique. Moi, j'ai les moyens. Je vais invoquer des exemples. Non, il ne faut pas ça. Il ne faut pas faire ça. Il voulait juste comme il y a des gens qui sont en train de profiter pour dire des mensonges. Oui. Moi, j'avais dit même au commandant que, en tout cas, là où vous me posez comme je n'ai jamais entendu, lui ne sait pas mentir. Quand il y a quelque chose, il vous dit avant, il y a ça, 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 je vais faire ça. Alors, c'est où? Il n'a aucun. Il n'a jamais parlé de cette histoire. Il n'en a pas. Vous n'avez pas d'armée. Vous avez des boys scouts. Moi, j'ai les moyens inconnus des hommes. Je prends l'indica, je travaille mystiquement et ça devient un explosif. Je prends des cailloux. Je travaille mystiquement et ça devient un explosif qui tue. Je prends les maïs que vous mangez, foufou. Je le travaille mystiquement, ça tue. Donc, mes commandos n'ont pas d'armes, vos armes à vous. Mais ils sont plus forts que vous. Président. Osez les provoquer, vous allez voir ensuite. Président. Oui. Amitende. Bosengé. Bosengé. Bosengé, mon colonel, j'avais conçu une salle de fête. Je voulais acheter un camion pour amener les gens à gauche chez moi. Mais je me suis rendu compte que le camion, ça tombe en panne, il faut toujours des dépenses. Mais quand vous construisez une salle de fête, comme celle-ci par exemple, c'est éternellement vous touchez de l'argent. C'est ça. À Bosengé, j'avais commencé la construction d'une salle de fête. On est arrivé au premier étage. On m'a fait la guerre et on a suspendu. Heureusement, les militaires ont gardé mon... Mais ils ont volé les planches, ils ont volé les briques, ils ont fait... Mais les militaires ont gardé Bosengé. Bosengé, c'est une unité de production
que je voulais construire. Mais les militaires sont là, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Est-ce que moi je vous abonne là? Oui. C'est la police. La police est là-bas. La police est là-bas. Il n'y a pas de combattants là-bas. C'est la police. Il n'y a pas de commandants. De combattants. Il n'y en a pas. C'est Mickey Gladys. Les combattants ne sont qu'ici pour me garder. Oui. Afin qu'on ne vienne plus me faire la guerre. N'oubliez pas que j'étais député et on m'a fait la guerre. Qui avait des immunités parlementaires, on m'a fait la guerre. Vous êtes ceux qui ne respectent pas la loi. Et j'ai dit, cette fois-ci, s'ils bougent, allez, musique, musique. Bon, écrasez Bango. C'est pourquoi vous voyez ces commandos. Ils sont là pour me garder. Afin qu'on ne me fasse plus la guerre. Si on ne me fait plus la guerre, ils ne feront rien. Je vais seulement leur donner l'étiquette et rentrer où ils sont venus. Parce que certains sont venus du Congo, d'autres du Bas-Congo, c'est tout. Ils sont venus recevoir des cours, mais en même temps me garder. C'est tout. Il y a eu des camions. Des renforts de deux camions. C'est-à-dire des gens qui sont venus, des camions. Non. Du Congo central. Non. Il n'y a jamais eu ça. Les gens viennent et même recevoir des coups. Vous voyez, tout ça, c'est que j'enseigne aux gens. Mais les années tribunaux, ça aussi sont des schémas qu'on a prié pour ne pas me cacher. Mais si je ne vais pas monter tous ces schémas, ce sont des choses qui ne sont enseignées nulle part que chez moi. Chaque samedi, je crois. Et chaque samedi, je donne le tour ici. Et ces gens, ils viennent recevoir la... Et les quelques commandos qui sont sur mes gardes, simplement. Parce qu'il y a des lignes de mains qu'on voulait me faire la guerre. Ils ont dit, cette fois, c'est juste pour jamais. Non, non, il n'est pas dans ça. Et il posait la question de savoir, est-ce que vous préparez pour attaquer les institutions de la République? Vous savez... Non. Je suis un ancien député, donc je suis légaliste. Voilà. Un ancien député qui respecte la loi. Voilà. Mais un député qui avait des immunités parlementaires, qu'on a attaqué, tous mes véhicules détruits. J'avais un. Maintenant, je me promène à pied. Regarde, un grand député comme moi, qui s'habille comme ça. Mais on m'a appauvri et j'ai appris qu'on préparait un autre coup. J'ai dit à mes commandants, vous restez. Vous me gardez, mais on va les attendre. Chauvaillé, mystique Nzika, mystique Caillou, mystique Maïs, Bakou Fanabango, c'est tout. Mais s'ils ne viennent pas m'attaquer, il n'y aura rien. Colonel, soyez rassuré, s'ils ne viennent pas m'attaquer. Non, mais là, c'est l'état de droit. Jamais, jamais, il vous attaquera. Alors, ce sont des prophètes et des malheurs. Oui. Avec les maçons, c'est comme ça que moi, je viens ici jour et nuit. Je viens même à 3h du matin, je viens à 2h du matin, je viens à 1h du matin. Oui. Je n'ai jamais vu. Non. C'est que j'attends. Non. Parce qu'ils ont dit même que les jeunes gens ici dérangent les gens dans la ville. Je vous assure. Je les ai dit, c'est impossible. Quand j'ai été ici, la population a dit « Batounaï va déranger la capisauté. Baï va capisauté, n'est pas mité, n'est pas mité, capisauté. » Ils sont très disciplinés. Celui qui ose voler, il est puni. Ici, c'est la discipline. Ils ne peuvent pas déranger quelqu'un. Ils ne peuvent pas. Au contraire, c'est eux qui réglementent même quand oui. Ici. Même quand il y a un bouteillage et puis il commence à vivre ce matin les gens. C'est tout. C'est tout. Une seule personne me connaît un peu ce Olengango. Parce qu'il a eu l'occasion de m'apporter, il a découvert que tout. Mais tout ce que me raconte sur le papa, cet homme nous a passé. D'abord, on lui a raconté. C'est un illettré. Il a découvert que je suis diplômé de l'université de l'Ovanium. Vous voyez? Il a découvert le contraire. Il a découvert que j'ai été chef de section chimie à l'office de route. Que j'ai été chef de section bactériologie à Mamayemo. Que j'ai été député deux fois. Il a découvert ça. Et il a fini par se rendre compte qu'il était à la faculté de sciences à l'université de Lovanium. Donc c'est un homme de science. Ce n'est pas un illettré. Mais on lui raconte un illettré ou un moi l'illettré. Un illettré qui vous parle français. Correctement. Un illettré. Allez-y comprendre. Donc, les gens inventent n'importe quoi pour gagner des sous. Voilà. J'ai donné cours au collège adventiste des Américains pour des mathématiques, des physiques et des chimies. Voilà un illettré que les Américains engagent pour donner des cours dans leur collège. Voilà. Si vous m'approchez, vous allez me connaître. Vous allez même devenir fanatique de moi parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux vous apprendre. Je vais vous rendre compte que cet homme, c'est une minute de connaissance. Nous pouvons apprendre. J'aimerais faire ça et tout ce qu'on raconte. Si par exemple je vous apprenais la mystique Nzika, ou comment Nzika explosait et comme une bombe,
Babandakouki Mayo. Mais je peux vous apprendre ça. Babandakouki Mayo. C'est ça. Tu deviens plus fort que tes généraux. Je peux faire de vous un homme très fort. Je peux faire de vous un homme très fort. Donc, mon colonel, pour que tu vérifies. Oui. On a parlé de Bossengue. Si vous êtes prêt, c'est il y a deux ou trois ou quatre policiers. Transformé en flamingo. Il reste encore là-bas. Alors, on dit il va attaquer le palais du peuple. Il va attaquer les institutions. Il n'a pas cet esprit et il ne peut pas le faire. Il vous a dit que c'est un légaliste. On vous dit qu'il est tenté d'attasser les jeunes ici, il dérange les gens. Moi, je vous ai dit déjà de Némonassim. C'est impossible, parce que dans leur philosophie, ils ont leur discipline. Vous osez avec ça. Vous êtes puni. C'est impossible. Vous savez, on ne peut pas empêcher des gens d'aller raconter des mensonges si ces mensonges-là les font vivre. Voilà. Président, merci beaucoup. Je crois que nous avons terminé. Merci. Je ne vais pas l'abuser en utilisant le temps, mais je suis à leur disposition des questions à poser. Sinon, à défaut, nous avons terminé. Voilà. Ça va, bon. Mais je vous rappelle une chose. On a détruit mon Pajero principal. On a détruit mes quatre véhicules. Je me promène maintenant à pied. La maison. La maison détruite. Toutes les fenêtres en aluminium volées, les portes en aluminium volées. Mes quatre congélateurs volés, tout a été détruit. Et on n'a jamais dédommagé. Comment voulez-vous que je puisse être content? Tu t'es dit, et mon neveu. Mais comment il traite son oncle? Si moi je le traite mal, les ancêtres Bakong et les ancêtres Balouba qui connaissent les liens de sang qu'il y a entre nous et les Balouba vont me condamner. J'ai dit, entre un frère rwandais et un neveu, le choix est clair. Je ne peux soutenir que tu t'es dit. Mais. Comment il traite son oncle? D'accord. Non, président, ça on va en parler tout à l'heure. Quand mon neveu raconte que les Banyamulenge sont de Bakongo, c'est faux! Ça, je ne suis pas d'accord. Non, ça on va en parler. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Bon, naturellement, mon neveu. Ça va, mon neveu et Maria, il est tout Rwandais. Bon, tu canal, bloc voilà. Mais chef de département a dit sa opération en ville à l'hôpital, yo, tu t'es ma vidéo, ils ont battu. Hein? Hein? Pas ma photo. Les amis. Ah oui, oui, comme ça, on va tirer dans la vie. Là, ma vidéo. Hein? Donc, ils besoin ma photo, ma vidéo. Oui, oui, bon, tirer dans la vie. C'est bon, vous pour le niveau ça. Avec tes vœux, je suis dégainé. Ma mission TV, le miroir du monde.